Portland. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça m'appelle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Les Limousins, série Les Limousins. Je suis en compagnie de Tom, salut à toi. Salut à toi, salut à tous. Je suis en compagnie du gros sac de Anto, salut à toi. Salut à toi, salut à tous. Et je suis en compagnie de moi-même. Voilà. Ah oui, ça faut... C'est, faut le préciser quand même parce que... Et je sens que le fan il va devoir me faire chier pour pendre Olivier. Regarde, regarde, viens vers Tom. T'as vu le Sicilan là? Ah là non, peut-être que. T'as vu le Sicilan? C'est un V6 biturbo là de ton machin. Mais non, c'est un Sicilan en ligne, connard. Bon allez, bah, je monte dans le casque qui fait un bordel. T'as pas une bière à dépanner s'il te plaît? Oui, une bière à dépanner. Ouais. C'est pas mon tracteur, désolé. Bon, vas-y, je me sers. Ouais, vas-y, c'est bon. Tu serais venu, vas-y, j'aurais eu une fente, j'aurais pu te proposer un pack entier, mais. Là, je l'avais pas le fait. Ah bah mon gars, je suis équipé dans le fait. Mais ce qui est bien, c'est que Max il connaît pas la cachette. C'est pour ça qu'il a pris le fait, Max. Non mais il sait pas où ils sont cachés. Non mais il faut donner un peu de refent, hein. Tu vois, Tom il est jamais sur le serveur, donc le fent il travaille pas souvent. Hein. Ah, j'étais débordé ces temps-ci. Putain, c'est la première fois que je fais pas flasher. C'est pour ça qu'il y a pas eu trop de vidéos. Alors attends, j'ai baissé juste le son de mon jeu un peu, parce que là du coup, le fait... Le casque. Tu m'étonnes avec le Ford qui roule à 30, je vais pas me faire flasher. Putain, le son, le volume de véhicule, il y a 10. J'ai pas eu trop de vidéos, et c'est qu'il était en congé. Ça, le pire. Hein? Toute la semaine, il était en congé. Ouais, bah ouais, trop de trucs à faire. Maintenant, du coup, on aura plus de problèmes de connexion. Ça, c'est clair et net. C'est fini. Ouais, bon, par contre, moi, j'ai toujours mes problèmes de con. Hein. Ouais, moi, c'est fini. Bah, ça peut être réglé, toi, non? Ouais bah j'espère. La fibre, à quand la fibre pour toi? Parce que ils disent la fibre, mais moi j'ai toujours pas vu d'ouvrier. Bah, le truc c'est que la fibre ça se fait comme ça du jour au lendemain. Ouais, c'est ça le truc. Ils arrivent, ils creusent ta route, ils passent un câble et c'est fini. Fin de chantier, ils en parlent plus. Tu vois, ce mois normalement c'est censé se finir le 19. Tu vas voir qu'ils vont se pointer le 19 là. Tu vas voir. Oh non, il faut quand même un peu plus de temps parce que le temps de creuser la petite tranchée et tout ça... Oh, je les ai déjà vu faire à mettre la fibre. En une journée, ils t'ont fait le tracé jusqu'au village. Ouais, c'est rapide. Après, le plus long, c'est de passer pour toutes les maisons après. Ouais, c'est ça. Ce qui est rapide, c'est de faire les grandes tranchées, le gros œuf, quoi. De toute façon, c'est comme dans tous les trucs. C'est toujours plus rapide. Tu vois leur machine de bâtard qu'ils ont, eux. Ah bah, mon gars, quand ils te creusent un trou. C'est pas un demi. Hein. Putain, c'est long d'aller jusque là-bas. Tu vas jusqu'où? J'ai jusqu'au 2 là avec le Ford. Non, je vais au P6, P7 et P3, P4. Oh. Nico il a fauché hier, je vais remettre un petit coup d'engrais dessus. Comme ça, on aura beaucoup plus de rendement. On va faire deux coupes pour l'ensilage. Ça va être peinard. Ah ouais. Tu vas le couper au gaz. Ouais. Et puis le 2, on l'a semé en maïs pour il sera en maïs en silage pour le biogaz. Oh, en plus, t'es tout prêt. Ouais, c'est pour ça. Tout grand que tes cochons, je crois qu'ils ont besoin d'avoir un peu à manger. Ouais, ils ont besoin un peu de tout, les cochons. Les moutons, bah là, on en a même pas. Putain, ils font chier ces moutons là. Ces cochons. S'embrouille. Je sais, je suis arrivé au matin sur le serveur, mais je me suis dit, vais commencer à épandre Olivier, tu vois. Puis je regarde les animaux, oh punaise, faut tout remettre, quoi. Oh merde. Ouais, moi aussi. Ouais, j'avais vu hier soir, juste avant de me déco, je regardais tout le truc, je fais, oh là là, il faut nourrir tout le bétail et tout. Bon. J'ai loupé l'entrée. Et il faut que j'aille dormir. Du coup, j'ai pas le temps de le faire. Ouais. Jeudi soir, je me co sur le serve. Je soigne les animaux. Hier, je me co pas, aujourd'hui, je me co. Soigner les animaux. Oh punaise. Ouais, moi aussi, à chaque fois que je me co, faut que je les soigne. Encore, je l'ai fait hier avec Nico. Soigner les animaux. Ah, mais moi, je fais ça tout seul, je peux te dire que c'est long. Hein. Ouais, ton ouvrier est jamais là. Hein? Ça y est, ce temps révolu. Réduction de salaire.
être prison, mais jeudi j'ai commencé à 20h45 et j'ai fini à 21h33 au soigner. Ah la vache! Je viens de dire une connerie parce que j'ai dit réduction de salaire, mais t'as pas de salaire. Eh, c'est que jeudi du coup je devais me couper et puis en fait j'ai oublié, j'avais eu sport. Du coup, épuisé. Baiser le bœuf. Et vous reprenez quand vous l'école? Moi bon, lundi. Le 12, moi le 12. Moi lundi. Ouais. J'ai encore une semaine là. On voit les feignants. Ta gueule. Moi le 12 juste à. Plus le temps que je l'attends, c'est plus le temps que j'attends ces vacances là. T'étais en et vacances là cette semaine toi? Bah ouais. Ouais, c'est ça. Mais je bosse à la ferme aussi entre deux. Oui, je me doute. Heureusement. Je touche quoi. Travaille un peu quoi. Non, ça, Max, ça c'est reste en Renault ça. Hein. Oh mec, t'as pas raconté. Dire hier, tu vois, hier à midi. C'est à qui tu vois, parles il a plu. À toi. Ah. Il pleuvait, tu vois. Ouais. En même temps, il faisait moins 3. Je sors de l'école pour pouvoir aller au magasin à côté, me chercher à boire. Et puis dans la boue, mon gars, je sors. Oh, une vraie patinoire, mon gars. Il s'est cassé la gueule. J'étais prêt à acheter des patins à glace. Mais quand je te dis une vraie patinoire, t'es une vraie patinoire. Ah ouais, ouais, mec. Mais nous, c'est. Tu savais pas avancer. Hein. T'avançais, tu glissais. Vendredi dernier, on était sur un chantier et tout, et puis on avait du gravier dans un dans notre poids lourd. Puis d'un seul coup, on fait la route et tout, donc on fait. Allez, quoi, on fait une petite demi-heure de route. Et puis d'un seul coup, on arrive sur notre chantier. On commence à lever notre benne pour faire tomber le gravier par les trappes. Puis d'un seul coup, on voyait pas du tout de gravier qui coulait, mais pourtant il y avait du gravier qui tombait dans les brettes. Hein. Puis on fait putain, c'est bizarre et tout. On commence à vouloir gratter dans les trappes et tout, mais non, putain, le gravier coule bien et tout. Puis d'un seul coup, on regarde des blocs de gravier qui arrivaient dans les brouettes. C'est qu'en fait, le temps de la route, le gravier il avait gelé au-dessus de la benne. T'avais une épaisseur de 6-7 cm qui était gelé de gravier quoi. Putain. Bah, moi hier, tu vois, moi le verglas c'était pareil. C'était un verglas de ouf hier. Et puis il y avait mon voisin, il m'a raconté ça hier soir quand j'étais à la ferme. Il a voulu aller chercher le maïs comme tous les matins. Il m'a dit, toi il prend le chemin pour aller. C'est une route en fait, c'est une route bétonnée mais qui a un chemin. Ouais. Et c'est même pas du goudron, c'est du béton la route. Oh, c'est qui a ramassé les bottes d'herbe là? Enfin, les bottes de et il s'en va pour. Il s'en fout de tes bottes. Pas de bottes de foin? Si, il en reste une dans la prairie 27. Ah, c'est peut-être que je l'ai oublié alors. Oui. Et il fait comme ça, tu vois, il veut pour tourner pour aller dans le silo à maïs. Il m'a dit, il avait les roues braquées à fond, puis il freinait en même temps, tu vois, pour tourner. Bah, le Manitou, il a fait tout droit sur son matin, il fait comme ça. Il que ça glissait. Oh la vache. Ah, ça glisse bien ces temps-ci. Le froid qu'on a là. Hier yeah, il faisait 4 degrés chez moi, j'avais l'impression que c'était une canicule tellement que ça faisait longtemps qu'on n'ait pas eu. Moi chez nous hier c'est chaud. Moi quand je pars à l'école il fait moins 6, moins 7. Oulala. Je suis là, bon, il fait chaud, ouais il fait chaud, ouais. Ouais, ouais il fait chaud, ouais. Maintenant ta gueule avec chaud aussi. C'est grand soleil mon gars. Qu'est-ce qu'il dit lui? Il fait grand soleil. Ouais, moi aussi il fait grand soleil. Il va faire 10 degrés aujourd'hui normalement. Ouais, nous aussi. Oh, je crois qu'il annonce 3-4 degrés pour moi. Ah, oh, je suis déjà content. Putain, c'est le pôle Nord là-bas, c'est pas possible. Ouais, c'est clair. Ouais. On dit beaucoup du Nord de la France qui fait froid tout ça, mais je crois qu'en Belgique c'est pire. Bah, c'est encore plus au Nord en même temps. 3-4 degrés, je... Là, il y a déjà 1 degré, grand soleil, gros. Oh là, 7-8 degrés qu'il annonce. Oh punaise, ça sent encore mieux. La d'accord. 10 degrés pour lundi. Oh là 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 là. Ah là, on va remonter dans les températures maintenant. On a vu les grands froids, on en a fini. C'est quoi, je te merle. Et hop. Oula, 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 oula. Il lève du cul, le merlot. Hop. Mettre deux godets, ça doit aller. Ouais. En fait, j'étais là-bas auprès, mais j'ai oublié de ramener la Legras, alors je suis parti la chercher. Peut-être démarrer le merlot, quand même.
Tu vas le faire quand ton skill after en fait? Bah. Quand le maïs il sera poussé en fait, on va le faire en même temps que le maïs. Parce que là, le truc c'est que Nico il a déjà fauché hier, on va laisser repousser l'herbe par dessus, puis on va refaire une coupe. Ah ouais. Et comme ça, au moment de l'ensilage, on va refaucher un coup, moi je vais en dénier derrière. Et puis en même temps. Moi à ta place, je te conseillerais de le faire au moment juste avant de faire ton maïs, hein, ton ensilage. Qu'est-ce que c'est bien? Ah oui, c'est ce que je. C'est ce qu'on veut faire avec Nico. On veut faire les deux en même temps. C'est quoi comme ça? On fait l'herbe en premier, puis après on fait le maïs. Attends, parce que moi je suis en train de réfléchir. C'est quoi ton joystick, toi, en tout? J'ai pas de joystick, moi. Moi, c'est sur le panel du volant farming que j'ai le joystick dessus. C'est vrai que toi, t'as le volant farming. Et le 21, tu l'as inventé ou quoi, le champ? Il est où? Ah non, il est là, en bas à gauche. Ouais, bah il est chez moi. Hey, tu veux mettre des pommes de terre au 41? Je vais bien m'amuser à arracher, là. Alors, je vais te dire, c'est pas moi qui ai décidé d'où j'allais mettre les trucs. C'est un truc d'aléatoire sur Internet qui a dit telle et telle champ seront telle et telle culture. T'as lu, et lui, il va même pas réfléchir à ce qu'il va mettre dans ses champs, lui. Moi, putain, tracteur de bain. Ouais, t'es à droite. Il faut que ça tourne, ça. T'as vu le bazar ou quoi? Bon, bah, du coup, il me reste une prairie, puis il reste la 7 aussi. En fait. La 7. Ah ouais, c'est celle qu'on va. J'ai semé. Oula, j'ai croisé quelqu'un. Parce que du coup, la petite là devant la ferme, tu l'as condamné pour mettre des cultures et tout ça? Ouais, je l'ai condamné pour mettre du stockage en vrac. Enfin, et mettre des bâtiments pour protéger le stockage. Eh, va te faire foutre avec tes bâtiments, mec. Coûte cher, hein. Pas ça, mais les bâtiments, ça va casser plus les couilles qu'autre chose. La culture va passer à travers les pieds et tout, c'est bon. C'est comme la vie de la histoire. Oh putain! Ça glisse. Glissez, chef. Bon, l'autre Jean-Kévin, il est où, là? Moi? Oui. Je travaille, mec. Enfin, ouais, je suis sur le chemin du travail. Ah. Ça doit bien être une des premières fois qu'on travaille, qu'on est tous en train de faire quelque chose de vraiment important. Antonin, tu crois qu'il fait quelque chose d'important? Il fout que dalle, hein, il se balade encore. Bah non, je suis parti chercher de la chaux, connard. Ah, tu vas chercher de la chaux par là, toi? Bah oui, j'ai pris la chaux qui était chez moi. Pourquoi il y a des traces? Mais t'étais à ta ferme, toi? Bah oui. Eh, c'est que t'as fait un stockage de chaux chez toi aussi? Bah oui, j'ai une benne de chaux là, j'étais chercher la Legras avec la chaux que j'ai chez moi. Il nous a copité. Toi, tu vois, ma main dans ta gueule, elle va être copitée aussi, tu vois. Non, il nous a pas copité, c'est nous qui l'avons copité. Voilà, c'est une différence. Ah bon? Merde. Oh, okay, une occasion de te taire. J'adore, c'est Max, il dit que moi j'ai rien foutu, je me balade, mais Tom il a mis je sais pas combien de temps à venir, Max il a fait tout le boulot. Moi non. C'est vrai que je pense à ça, à part m'avoir amené la benne pour le premier champ que j'ai moissonné, tout ce que t'as fait, hein. Ah si, t'as fait une ou deux bennes à l'ensilage. Ouais. Imagine que le numéro 6, l'arrachais tu seul aux pommes de terre. Peut-être un grand malade aussi. Bah franchement, je me suis bien amusé à le faire. Ouais bah, ouais. À moi, ça aura pas été mon délire personnellement. Mais... Ouais, voilà. Puis heureusement que Nico et moi on était là pour l'ensilage. Putain, ouais, sinon. De toute façon, mec, on avait du temps pour faire de l'ensilage encore. Hein. T'as vu tout l'ensilage qu'on a là? On est prêt, on est tranquille pendant 4 ans là. Tranquille. Ah ouais. Y'a plus besoin d'en faire pour nous de l'ensilage là. Non, mais attends, on va pouvoir faire du maïs grain. T'as mieux. Ah voilà, oui. Ou alors on peut faire encore de l'ensilage, même pour le biogaz. Quand même. Ah bah le gars, de toute façon pour chez nous on a plus de silo alors c'est au moins c'est tranquille. Bah si, y'en a un qui va pas tarder à être vide. Ouais, t'es fou toi. Bah quand tu vois là, à quelle vitesse se reproduisent les vaches, c'est moi. Mais... Ah. Oui c'est sûr. T'as déjà 80 vaches là quand on a acheté 40 ou 50. Pas faux.
pire, ça entend, je crois. Ouais, moi, les cochons, ils se reproduisent comme je sais pas quoi. Ah, bah, les cochons, ça se reproduit tous les 3 heures. Putain, ça baisse toutes les 5 non. minutes, ça. 1h19, le taux de reproduction. Imagine, et nous, c'est 15h. 121 cochons. Voilà, vache. Bah, nous, on était à 180, on était à 180 cochons sur. Putain, sur j'ai déjà 120 cochons. 121. La dernière fois que j'ai regardé, il y en avait 60. Attends, on a la prairie 33, la 48, la 27 et puis la 7, c'est ça? Attends. Le P7, il y a un souci par contre. Non, mais pas la P7. C'est un champ. C'est le champ 7. Ouais. Ah oui, parce que le P7. 48, ah oui. 33, 27. On avait la petite quoi. Ah. La petite, tu peux mettre le 7 à la place. Ouais, le 7. Ouais. Prenons le forte. Et puis t'as vu, du coup, j'ai mis aussi au niveau de l'herbe et tout ça là, ce qu'on allait ensiler, ce qu'on allait faire en foin, en herbe. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. Juste regarder les cultures que t'avais dit qu'on mettrait dans les champs. Hein? Juste regarder ce que t'as dit, ce qu'on allait semer dans les champs. Quoi. Ah oui. Bon, du coup, il faudrait recruter du monde. Ouais. Bon bah vas-y, profite-en, c'est le moment. On va falloir voir quelqu'un là. Il va falloir du monde, là. À bloc. Des personnes motivées. Ouais. Après, faut trouver quelqu'un qui a le DLC qu'une, quoi. Avec une certaine disponibilité. Ouais, le week-end. Tiens, que de rimes je fais. C'est pour ça que tu peux te taire. Non. Voilà. Si, si, t'as gagné une occasion de fermer ta gueule, non. Toi. Non, là c'est un vieux nom là. Non, non, non. Mais c'est bon ta gueule maintenant. Non. Ça me saoule avec le GPS. Qu'est-ce que t'as fait encore? Quand t'accélères trop vite, il va dans tous les sens. Putain, je suis encore en train de recracher mes poumons de la laine de roche de hier. Moi, bon, t'as qu'à arrêter de fumer puis voilà. Non, la laine de roche. Quand j'ai passé mon câble pour internet. J'étais dans la poussière, de la laine de roche et tout, mec, je te jure. C'est pas plutôt de la laine de verre? Non, moi, c'est de la laine de roche chez moi. Ah, carrément. Je sais que la laine de roche, c'est ce qu'on met là. La laine de verre, c'est pire. Ouais, ça fait gratte, ça gratte. Bon, la laine de roche, ça gratte aussi, t'inquiète. Hein. Bah, ça gratte beaucoup moins. Hein. Beaucoup moins, mais ça gratte. T'inquiète pas. Moi, je préfère mettre de la laine de roche que de la laine de verre. Ah, oui, moi aussi, largement, mais. Moi, tu vois, moi, la laine de roche, la dernière fois que j'en ai fait, c'est quoi que j'ai refait le silencieux de mon pot d'échappement. Tu mets ça dans les pots d'échappement de moto pour faire silencieux. Oui, tu mets ça dans l'isolation de ta maison aussi. C'est vrai, Max, en plus, hein. Non, mais c'est pas des gamins, t'as vraiment de la laine de roche dans les silencieux de moto. Ouais, aussi, ouais. Punaise. Après, j'hésite à refaire venir quelqu'un dans la team, mais... De qui que tu connais que tu pourrais faire venir? Dans la vie, pas besoin de dire de nom, quand même. Pas t'en douter. Ouais. Il est souvent sur les lives, c'est ça? Ah oui, bah, il est modo sur les lives, non? Ah ouais, lui, il doit venir, ouais, c'est vrai. Non, mais parler d'une autre personne, moi. David? Non. Ah. Dis pas de nom en vidéo, merci. Tu me le diras après, Si, non, mais la fin, ça s'est mal passé, quoi, tu vois ce que je veux dire, ou... Non, tu veux le refaire revenir? Le dernier qu'on a, hein? Non, Tom, tu le connais pas, toi. Ah oui, d'accord, non, mais je pensais à une autre personne, là, du coup. Tu parles de celui qui nous a trouvé l'Atlas et Ouais, c'est ça. Tu veux le faire revenir? Bah, après, ouais, pourquoi pas, mais moi, perso, j'ai pas eu de problème avec lui. Après, s'il veut revenir, j'attends qu'il y ait un minimum d'excuses, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, je veux bien qu'il revienne, mais il s'excuse quand même, quoi. Pas celui de la carte d'avant. Non, t'es con, toi, quoi. Oh, ah, mais... ah, là, t'as commencé à me faire peur, là. Est-ce que toi, tu crois qu'on va le faire revenir, lui, par contre? Non, j'ai commencé à avoir peur, là, d'un seul coup, là. J'ai pris peur. Non, mais tu vois de qui je veux parler, Anto. Ouais, je vois de qui tu parles, ouais.
Ah bah moi je veux bien qu'il revienne, mais il s'excuse. On discutait avec Nico, quoi. Ouais. Moi ça me dérange pas qu'il revienne, mais faut qu'il s'excuse. Ouais, d'office. D'office, ça c'est. Enfin. Voilà, c'est. Ouais, sinon, voilà quoi. Voilà. Moi je veux bien parce que lui, il est beaucoup disponible. Après, pour qu'on s'est embrouillé. Oui, aussi, parce que je me souviens même plus pourquoi on s'est embrouillé. Au 70 km/h, tu vois. Mais c'est comme Joe Bill, son coup. Non, le 50. Il... 50 km/h. Mm-hmm. Ah oui, c'est vrai, quand c'était embrouillé, il est vraiment pour une connerie, quoi. Mais c'est comme le gars de Joe Bill, là, qui doit. Qui devait venir avec son coéquipier, là, qu'on a jamais vu, là. Ouais, ouais. Déjà, même Romain, on l'a jamais vu, alors. Ouais, sur cette carte-là, il a fait sa ferme, il nous a mis du matériel, et... c'est tout ce qu'il nous a fait. Il nous a fait bugger le portail de... du Concess. Du Concess. Ouais. Après, on attend toujours aussi le pote d'Anto, hein, mais... Oh bah lui, on le verra plus, lui, hein. Qui? Au fait, j'ai foutu où mon... Ah bah, il est en bleu. Y'a Kylian aussi. Y'a Kylian qui devait revenir, mais. Ouais, ouais. On le verra pas parce que ça cause encore pire. Ah d'accord, bon. Oh, ce qui était cool lui. Ouais. Par contre, c'est la course les plus longues du monde que j'ai jamais faite. Hein. Elle est plus longue que. Tu vois qui je veux dire? Ouais, largement. Ah ouais, ouais, pas plus, hein. Ah ouais, d'accord. Ouais. Lui à côté, c'est un petit joueur, celui que tu vois de qui je parle. Hein. Ouais. Sale gosse. Pardon, excusez-moi. Ah la vache. Max, je te le dis, plus jamais je reprends des gens comme ça, plus jamais. Ah non, pas si jeune. En plus, là, on était gentils parce que la limite, c'est 14 ans. C'est 14 ou 15, je sais même plus. 14, t'es contre. On a pris 14 et on a pris à 13, déjà... Plus jamais moi, je sais bien, là j'étais gentil parce qu'au début t'es sympa, mais là plus jamais. Plus jamais de la vie mon gars. Une fois mais pas 15. Hein. Si c'est possible. Ah bah, si on en fait, peut. C'est possible. Ah bah si on peut. Ah deux mais pas 15. Bon bref, on va pas comme ça jusqu'à 15. Ouais parce que c'est long. Hein. On est pas si con nous. Voilà. Moi j'ai fini les pains à la chaux. C'est bien. On est bien. On est bon. Moi aussi j'ai fini aussi. Oh, encore mieux. Je viens de voir un panneau à rouler à 30. C'est vrai que le Forge, est-ce qu'on peut les dépasser? Bah, on va pouvoir commencer à déchaumer et à labourer maintenant. Vous voulez un coup de main pour déchaumer ou labourer? Pour labourer, ouais. Déchaumer, il faut déchaumer avec le fen, donc. C'est j'ai que ça. Ouais, si tu veux, Tom, je prends le tracteur, hein. Tu achèves d'épandre l'olivier. Et moi, je vais labourer. Bah. Comme ça, tu récupères ton fen, et moi, je récupère mon case. M'arrange aussi. Il reste quoi, épandre olivier, là? Il faut acheter le 13, faire le 6, 41, 72, 79, 21, 49. Oula! Par contre, j'ai été faire les champs les plus loin. Le 1, le 56, le 44. Putain la vache, il y a de quoi faire là, les pendules. Par contre, avant de venir labourer avec toi, faut que j'aille pulvériser sur mes champs, moi, par contre. Hein. Et sinon, y a pas un épandeur à lisier à la Cuma. Un quoi met... Une cuve à lisier à la Cuma. Bah si, c'est celle-là qu'on a. Ah d'accord, en fait, il y en a qu'une. Oh, lui, il est bon, ah, lui. Ouais. C'est con, sinon on aurait pu se mettre à deux à épandre. Ah non, tu es seul. Ouais, bah t'as vu, moi je m'attendais à cette réponse, moi. Bon, du coup, il loue le gars avec le gaz, là, parce que... Ça, ouais, faut que je laboure. Encore que j'aille voir les champs qu'on va mettre en grain. Faut que je laboure. Non, laisse tomber. Ouais, d'accord, c'est bon, tout et toi. T'inquiète, bouge plus. Bouge plus, Michel.
Allez, voilà, comme ça, lui, il sera prêt pour la prochaine fois. Bah du coup, je vais peut-être déjà chercher là le grade chaud. Attends, ouais. T'as combien de minutes de vidéo là? Je suis à 25. Tu vas faire une tonalisée ou pas? Bah, autant rester dans la chose, je peux charger la benne du coup, monsieur. Ouais, bah prends la benne, je vais la charger. Moi, je vais bien la charger la benne, comme ça en plus ça va m'entraîner toujours à me servir de mon joystick parce que c'est un bon grand coup à prendre, ça te servir de ça. Ah, il faut la modifier, non? Ouais, il faut lui mettre la vis. Bon, du coup, tant que tu fais ça, moi, je vais continuer d'épandre. Ouais. Après, il faudra que j'aille faire une photo des champs que je vais labourer. Je crois qu'il va en avoir pas mal à labourer. Il y a juste la vis à rajouter? Ouais, la vis, c'est tout. Ok. Ok, c'est parti. Et alors toi, t'es déjà à ta ferme? Non. Oh, putain, je suis dans la ligne. Je suis dans la ligne droite avec le Ford là. Là-bas. Purée. Ah ouais, ok. Ah ouais, t'es seulement là en fait. Ouais, je suis à fond. Ouais, moi aussi je suis à fond, je monte à 14. Ah, moi je la monte à 50 avec le massé ici. Mais grand, j'ai 15 000 litres au cul. Hein. Bah ouais, bah moi j'ai monté à 50 ici. Oh putain, j'ai de découvrir avec la Hudson du Ford. Bon. On va aller prendre tout ça. Il est où l'autre baraki là? Devant, dans. Ah, à charger, charge la benne de chaud. À charger de la chaud. Il a eu du mal à le dire. Putain, on a presque plus de stock à la ferme. Ouais, je sais, il faut aller en racheter, il faut aller en charger. On fera ça par après. Oui. Le stress. Non. Je stresse pas. Je te fais un bon petit stock pendant la semaine. Bras de terre après. Bah de toute façon moi là cette semaine normalement je vais censé pouvoir rentrer le soir de l'école parce que il faut que je rentre pour préparer les choses pour mon anniversaire. Donc normalement je pourrais peut-être me co dans la soirée. Merci du vent Tom. Excuse-moi Anto, j'étais concentré. Ouais, excuse-toi. L'autre je le classe. Je le klaxonne là, puis. Ah mais c'est que du coup je suis concentré avec Observer bah, de mon joystick là et... Une fois qu'il est concentré. Pour ça, faut pas le déroger. Fais péter le champagne, Max. Fais pas le champagne, je vais faire péter. Oh non, c'est bon, non, dis rien, Max. Non, non, c'est bon. Je ne dis rien. C'est toi qui interprète. Je pense savoir ce que tu penses, Max. Qui va user, c'est quand même une belle cuve de merde. Hein. Punaise, t'es obligé de lever ou rabaisser pour activer quoi. Ouais, moi j'aurais préféré faire B parce que tout de même ça vide déjà alors que c'est pas en train de se mettre sur le champ. Bah oui, ça prend 30 ans aussi à se relever et à se rabaisser. Pop et hop. Comment perdre du lisier? Voilà. Putain, mais t'en mets pas mal dans la le gras. Hein. Bah, 14 tonnes, tiens. 14 tonnes, ouais. Ça fait quelques godets. Ah, bah, ça, ouais. Bah, ça fait 7 godets à peu près. Parce que les godets font 2 tonnes 4. Enfin, tu mets trop. Non, t'en mets plus dans les godets. Hein. Ah, maman, t'as pas même un godet que moi, toi. Ah, moi je mets que 2 tonnes, tonnes 5 dans mon godet. Moi je paie 3 oh, tonnes dans le mien. Excuse-nous, hein. C'est des petits joueurs. Voilà, elle est pleine.
Puis ben, on va pouvoir finir là. Les amis, si vous avez apprécié la vidéo, lâchez le petit like, le petit commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je doute que ça n'a pas encore été fait, donc voilà. Et moi, ce que je vous dis, ben, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut.